ça c'est du broyat de déchets verts qui a été livré à l'automne, donc il y a presque 6 mois maintenant. Et comme il a passé l'hiver ici en tas, il s'est un petit peu composté. Notre but, il n'est pas forcément que le produit ait commencé le processus de compostage avant de l'épandre. Mais voilà, s'il l'a fait, ça ne nous dérange pas non plus. Donc là, en gros, ce que nous permet de faire le broyat, c'est sous tunnel de ne plus travailler le sol, dans ce tunnel-ci depuis quelques années déjà. Il y avait une couche de broyat comme celle qui a pu être apporté pour les salades que j'ai plantées tout à l'heure, il y a 6 mois à peu près, en début d'hiver. Et celle-ci a complètement fondu, maintenant il ne reste plus que quelques gros bouts de ligneux sur le sol. On peut voir pas mal de turicules de vers de terre. Cette façon de faire avec du broyat nous donne un peu plus de souplesse à nos enchaînements de cultures.